Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Dans cette rubrique, nous parlons des histoires de succès des entrepreneurs africains les plus accomplis. Il existe une abondance d'opportunités de business en Afrique et notre objectif est de vous apporter de l'inspiration dans votre propre parcours entrepreneurial. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône en forme de cloche pour être averti des futures vidéos. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons en apprendre davantage sur Monsieur Adetola Nola, sa biographie, comment il a grandi, comment il a gagné son argent et quelle est sa valeur nette aujourd'hui. Adetola Nola est né en 1990 au Nigeria. Il a d'abord été étudiant à l'Université métropolitaine de Londres, puis diplômé en génie chimique de l'Université Obafemi Awolowo à 2e IFE. Sa mère avait plusieurs entreprises, notamment de détergent, de location, de volaille, etc. Et Adetola Nola faisait partie du processus de vente marketing depuis son plus jeune âge. La première entreprise de savon fondée par sa mère était au nom d'Adetola. Tout ce qu'il a vu de sa mère en grandissant, c'est l'entrepreneuriat. Elle l'a vraiment inspiré. À partir de là, Adetola Nola a occupé divers postes de direction, notamment à l'AIESEC et dans d'autres organisations de premier plan. La romance de Nola avec l'entrepreneuriat remonte à son enfance à Ibadan, où il a échangé Forex à l'adolescence. Puis, s'est lancé dans le design et le stylisme de mode de luxe avant de se lancer dans l'immobilier. Il a également participé à un certain nombre de séminaires, de formations et de programmes d'apprentissage, faisant de lui un expert en la matière et une autorité dans le secteur de l'immobilier. Fruit d'un travail acharné et d'une détermination, il a à son actif certains des meilleurs projets de logement à revenus moyens et élevés de Lagos et des environs. Avant d'entrer dans l'industrie immobilière, en tant qu'employé pour apprendre le métier, puis en tant qu'entrepreneur, Adetola Nola s'est fait des dents dans d'autres industries telles que l'industrie pétrolière et gazière, l'industrie de la mode en mettant l'accent sur la mode de luxe. Et par conséquent, il est copropriétaire d'une marque de mode en pleine croissance et d'un espace d'ingénierie et de construction. Adetola Nola a investi dans des entreprises qui ont échoué. Avant de s'aventurer dans l'immobilier, il avait lancé environ 7 ou 8 entreprises, toutes enregistrées. Certaines qu'il a commencées seul et d'autres avec des amis qui ont toutes échoué. Mais quand il est entré dans l'immobilier, il y a eu un autre type d'échec qu'il a rencontré. Beaucoup d'argent a été perdu. Pour se remettre sur pied, il a fallu du temps. Appeler les clients, appeler les investisseurs, essayer de les gérer et de leur dire qu'il devait lui donner le temps de transférer les compétences à un autre projet. C'était dur. Son premier projet a eu beaucoup de succès, mais les deuxièmes, troisièmes et quatrièmes projets n'ont pas été couronnés de succès. C'était fou. Il a presque dû manquer de biens immobiliers, mais les rêves ne pouvaient pas le permettre. Heureusement, Adetola a eu le soutien de nombreuses personnes dans l'industrie. Dans l'ensemble, il a été capable de surmonter et de bien gérer ses échecs. En conséquence, tous les investisseurs qu'il devait étaient satisfaits. Aujourd'hui, Adetola Nola, PDG de Veritasi Homes and Property Limited, une société immobilière à croissance rapide, n'a que 31 ans. Son entreprise fournit des solutions immobilières couvrant la vente de propriétés, les services de conseils immobiliers, l'acquisition de terrains et le développement immobilier. Adetola Nola est un entrepreneur immobilier de premier plan qui dirige la formation d'une nouvelle communauté immobilière de consultants, de promoteurs et de clients. Avec plus de 10 ans d'expérience dans le marketing immobilier, l'investissement et les blogs, il fournit à l'entreprise une mine de connaissances spécialisées ainsi que des informations pratiques, sécurisées et des opportunités dans un large éventail de catégories immobilières. En tant que leader visionnaire de Veritasi Homes and Property
l'une des sociétés immobilières à la croissance la plus rapide du Nigeria. Il a établi des relations crédibles au Nigeria et dans la diaspora en fournissant des solutions immobilières couvrant les ventes immobilières, les services de conseil immobilier, l'acquisition de terrains et le développement immobilier avec un record de ventes de plus de 2 milliards de naira en 3 ans. Adetola reste dédié à fournir aux consommateurs immobiliers des solutions qui offrent une expérience à long terme. En tant que directeur général, il est responsable de ce qui suit. Diriger des plans de travail imaginatifs pour l'organisation, gérer l'ensemble des affaires de l'entreprise. Adetola est une personne qui voyage beaucoup et sait quand de nouvelles choses sont en vogue dans d'autres pays. Il essaie de voir lesquelles il peut reproduire au Nigeria dans ses projets. Le prochain projet de Nola à Banana Island à Lagos l'année prochaine, en termes de conception et d'architecture d'éclairage, ce qui est très rare au Nigeria, sera certainement l'un des meilleurs autour de cet espace, si ce n'est le meilleur. En 2020, il a été nominé pour les Future Awards Africa for Entrepreneurship. Il a également obtenu plusieurs reconnaissances telles que catégorie d'entreprise fort 13 under 13, catégorie Afrique, conférencier jeune PDG de l'immobilier Property Investment Show London, meilleur stagiaire en opération de la NNPC. La valeur nette d'Adetola Nola est d'environ 5 millions de dollars. Alors, chers amis, ceci conclut cette vidéo sur Adetola Nola. L'entrepreneuriat, c'est l'avenir. Si vous avez le bug, alors n'ayez pas peur, allez-y. Le pire qui puisse arriver est que vous échouiez. Ne vous inquiétez pas, levez-vous et réessayez. Voulez-vous également monétiser vos compétences? Cliquez sur le lien ci-dessous pour vous inscrire à notre formation en entrepreneuriat digital et commencer à gravir les échelons vers le succès. Merci d'avoir regardé, donnez-nous un pouce levé et à la prochaine vidéo. Jusque-là, gardez le sourire.